Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle custo chaussure. Comme vous l'avez vu dans la miniature, j'ai publié il n'y a pas longtemps déjà une vidéo que j'avais fait en collaboration avec Sneak Art, qui propose des peintures pour pouvoir customiser ses chaussures selon nos envies. Et ils ont beaucoup apprécié la première vidéo et m'ont proposé de recevoir ces petites nouveautés qui sont des peintures qui réagissent aux UV, c'est-à-dire que quand vous les mettez sur les chaussures à l'intérieur, elles sont légèrement rosées ou un peu bleutées, suivant les couleurs que vous prenez. Et en fait, à partir du moment où vous les mettez à l'extérieur, elles réagissent aux UV et se colorent. Donc du coup, ils m'ont proposé de les tester et je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'allais faire des baskets customisées pour Juliette à la rentrée parce qu'elle m'en avait demandé. Donc du coup, on a eu un peu de mal à trouver une paire de baskets totalement blanches et je préfère les acheter en magasin parce que je préfère qu'elle les essaye et tout, donc du coup je les commande pas. Résultat des courses, on a mis la main sur cette petite paire de Hermès et qui est quand même relativement bien blanche avec un petit peu de violet et de paillettes, et Juliette m'avait demandé de faire des dessins en rapport avec Stitch, donc du coup on va faire des baskets Stitch avec un petit cœur arc-en-ciel, elle m'a aussi demandé. Donc je vais voir encore comment je vais faire. Je pense que le Stitch sera là sur le côté de la chaussure et je verrai où je vais mettre le cœur. Et voilà, déjà on va ouvrir ces petites beautés. Je les ai reçues à la maison mais je ne les ai pas encore ouvertes. Hop. Donc ils m'ont envoyé deux couleurs. Ils m'ont envoyé le violet et le bleu. Donc vous voyez là la couleur qu'elles ont. Elles sont très légères. Donc vous voyez là la couleur qu'elles ont. Donc là c'est la bleue. Et quand elle sera exposée une fois peinte sur la chaussure, elle passera vraiment à cette couleur là. Et pareil pour la violette. Donc du coup on est sur les couleurs de Stitch. Donc je vais pas faire Stitch avec parce que on veut que le Stitch reste comment, toujours de la même couleur et ne perde pas son bleu et son violet quand elle sera à l'intérieur. Mais par contre je ferai des pointes sur les chaussures sur certains endroits et je pense que ça va vraiment être trop canon. Donc on y va, je vous remontre rapidement. Ça c'est la première box que j'avais reçue, vous avez eu le lien de la vidéo qui est passé là-haut, vous pouvez toujours la retrouver en allant sur le petit i. Et en gros je l'ai bien rangé à l'intérieur pour ne rien perdre, mais voilà, tout est là et tout. Je vais pouvoir faire des petits mélanges parce que il va falloir que je fasse du violet, du rose et tout ça. Mais en gros, je vais pouvoir m'amuser. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, je vous mets le lien en dessous de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Voilà, ça c'est pas de la peinture, c'est du vernis pour protéger votre création. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en plan du dessus. Par contre je ne vais pas vous rester sur mon bar de cuisine parce que là je vais m'asseoir parce que j'en ai pour un moment. Il faut savoir qu'au niveau du motif, on s'est baladé sur internet et on a trouvé un Stitch qui correspond bien à la chaussure et qui irait bien dessus. Donc résultat des courses, on y va. Je vais installer tout ça sur ma table de salle à manger, je vais m'installer et je vous reprends tout de suite après. Alors du coup je me suis installée sur ma table, j'utilise ma plaque de carrelage que j'utilise pour ma boutique, ça craint rien s'il y a de la peinture dessus et tout. J'ai donc sorti les petites peintures qu'il y avait déjà dans le kit de démarrage, tous les petits pinceaux qui sont juste top comme je vous avais dit la dernière fois, et les peintures aux UV. Donc du coup je vais vous montrer déjà le Stitch qu'on a repéré. Voilà, elle aimerait celui-ci. Si vous voulez le retrouver, il vient du site Astuces de Filles, 72 top idées et tutos de dessin de Stitch. Au pire je vous mets le lien en dessous de la vidéo si jamais vous voulez le retrouver. Voilà, donc du coup je vais faire ça sur le côté de la chaussure. Donc on y va déjà. J'ai pris mon crayon à papier et on est parti, j'en ai pour un petit moment. Alors voilà le Stitch, maintenant j'ai hâte de voir ce que ça donne peint. Et je vais aussi essayer la peinture UV, on va faire ça de suite je pense.
Bon, déjà on teste la peinture UV. Je vais essayer de pas mettre mes doigts sur le site parce que j'ai frotté un peu là et je l'ai un peu abîmé. Donc on a vu avec Juliette, donc là ici, tout le tour là, sur la partie qui est pas en relief. Voilà, alors, du coup je vais pas mettre de scotch parce que je pense qu'avec le relief, si je mets du scotch, ça passera quand même en dessous. Donc je vais m'appliquer et je pense que je vais te voir pour peut-être en mettre là et tout. Bref, on va voir, on va essayer ça tout de suite. C'est parti. Comme la dernière fois je vous avais dit, on est sur une peinture très liquide, mais qui, comme je vous l'avais expliqué, est 100% made in France. Et du coup sans solvant, sans, voilà, sans tout ce qui n'est pas bon à l'intérieur, ce qui fait qu'elle est un petit peu plus liquide parce qu'elle est à l'eau. Mais c'est une peinture qui est top. Moi les chaussures que je me suis faites dans la vidéo précédente, je les ai portées pendant les vacances. J'étais très fière de porter mes super chaussures fait maison. Voilà, donc du coup on y va, on va voir. Alors je sais pas si elle va changer de couleur tant qu'elle est humide. Enfin pas sèche, je crois, on va voir. Alors j'ai fini de peindre le tour. Vous voyez que ça a un petit peu changé de couleur, c'est parce que j'ai été voir dehors ce que ça donne. Alors je referai une deuxième couche parce que c'est clairement pas parfait, il y a des petites imperfections. Et on s'en rend compte quand on le met à la lumière en fait, puisque ça se fonce à la lumière. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, que vous puissiez voir un petit peu le rendu de la peinture UV. Voilà, ça change de couleur de manière radicale. Dès que c'est exposé au rayon du soleil, au rayon UV, ça change de couleur. C'est juste incroyable. Voilà, vous voyez un peu le rendu que ça donne. Donc à l'extérieur, les chaussures, elles ont cette couleur-là. Et à l'intérieur, elles sont roses, très pâles. Et mon gazon grillé derrière, c'est cadeau, puisqu'il fait un temps pas possible et qu'il ne pleut pas. Maintenant, je vais peindre Stitch. Alors, je vous montre la première chaussure avec le Stitch. Là, comme je suis à la lumière de la fenêtre de ma salle de bain, du coup, vous voyez la coloration qui arrive. Donc, j'ai pas encore fait la deuxième couche en bas. Par contre, on a discuté avec Juliette et elle m'a dit qu'elle préférerait que sur l'autre chaussure, il y ait le cœur plutôt qu'un autre Stitch, identique comme ça. Donc, en fait, ce qu'elle voudrait, c'est que je fasse le tour comme j'ai fait là, en violet. Et le cœur arc-en-ciel en gros ici. Et moi je lui ai proposé quand même, pour faire un rappel de cette chaussure là, d'écrire Stitch soit ici pour faire un rappel là. Mais voilà, elle préfère avoir qu'un seul Stitch plutôt que d'avoir les deux chaussures identiques. Donc j'ai dit oui. Du coup voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a un endroit, il y a un peu de bleu parce que j'ai fait une boulette à un moment donné. J'ai pas vu que mon flacon était ouvert et du coup j'en ai mis partout quand il m'a échappé des mains. Voilà, sinon je suis hyper contente. J'avais pas encore fait de dessin de précision comme ça avec les autres peintures. Et franchement le rendu il est canon.
Du coup voilà, donc je vais faire ça, là je vais faire le cœur arc-en-ciel et ensuite je vais rajouter de la peinture qui se colore, je pense que je vais mettre du bleu là, je verrai pour un rappel au Stitch ou peut-être mettre, je sais pas encore, je vais voir. Je pense que le Stitch, je serais tentée de l'écrire avec les peintures qui se colorent à la lumière, enfin aux UV là, comme ça. Et du coup comme ça le mot Stitch apparaîtrait que quand elle est dehors, j'adore, je suis trop fan. Elles sont terminées, donc vous les avez vues à plusieurs reprises hein, se dessiner au fur et à mesure. Là pour l'instant on voit pas la peinture UV, juste la légère petite trace un peu verte et légèrement rose pâle sur la semelle. Je vais vous mettre un visuel en même temps de ce que ça donne dehors en plein soleil. Là j'ai voulu faire le visuel ce matin mais il n'y a pas assez de soleil encore, donc du coup je vous ferai un visuel plus tard dans la journée que vous êtes en train de regarder. Donc franchement j'aime beaucoup le rendu. Juliette est juste trop contente. Elle attend qu'une seule chose, c'est de rentrer à l'école avec ses super chaussures comme elle m'a dit. Et voilà, je vous cache pas que maintenant ça me donne envie d'acheter que des paires de chaussures blanches ou presque hein, parce que là il y a des petites paillettes sur celles qu'on avait trouvées, pour pouvoir les customiser comme on en a envie. Voilà, donc je pensais pas que j'arriverais si bien. Je sais, je me lance des fleurs et tout hein, mais honnêtement je pensais pas que j'arriverais si bien à faire le Stitch. Et du coup de l'autre côté avec ce fameux cœur arc-en-ciel qu'elle voulait impérativement, et je lui avais proposé de rajouter une patte de Stitch qui du coup lui déchire la chaussure en dévoilant les couleurs arc-en-ciel, et ensuite le prénom qui lui se colore uniquement au soleil comme vous l'avez vu, enfin au rayon UV mais principalement quand c'est en plein soleil. Donc entre temps j'ai eu des petits conseils de Sneak Art, donc il me disait par rapport à la peinture alors peindre dehors en plein soleil pour voir la couleur UV c'est pas le top parce que ça va abîmer, altérer la peinture à force. Mais par contre passer de temps en temps la paire de chaussures au soleil pour voir un peu les endroits où il manque de la peinture, voilà, sachant qu'on a quand même une légère couleur qui est posée sur la semelle, ou enfin sur l'endroit où on va déposer la couleur UV. Donc ça c'est top. Je sais que ces chaussures là vont lui faire, alors elles sont un chouïa grandes mais la taille en dessous était pile pile,
Donc du coup c'est pour ça qu'on a pris la taille au-dessus. Mais voilà, ça va lui faire une grosse partie de l'année scolaire. C'est-à-dire que si elle grandit pas trop vite des pieds, on peut aller jusqu'à cet hiver. Si elle grandit trop vite des pieds, bah dans un mois c'est trop petit. Ça m'étonnerait, hein, clairement. En tout cas voilà, je remercie énormément Sneakarts pour m'avoir envoyé leurs nouvelles peintures UV qui sont juste géniales, sachant qu'il n'y a pas que ça sur le site. Ils font également depuis peu, j'ai vu passer ça en story sur leur Instagram que je vous mets ici si jamais vous souhaitez aller les voir, une peinture phosphorescente, donc du coup comme ça vous baladez avec des motifs qui brillent la nuit, et donc ça c'est trop cool. Ils ont toutes sortes de couleurs possibles. Moi ce que je vous avais montré dans la première vidéo c'était le kit vraiment pour bien démarrer, et après vous pouvez acheter des couleurs individuellement comme vous le voulez, racheter des pinceaux, racheter donc les peintures UV, ils en ont plusieurs, hein. Il n'y a pas que du violet et du bleu, hein. Il y en a également d'autres, donc voilà, n'hésitez pas, ils ont des peintures fluo et tout, bref c'est vraiment super, et leurs peintures sont de très bonne qualité comme ça se voit, très facile à travailler, vous l'avez vu dans la vidéo. Voilà, je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je refasse une autre customisation de chaussures prochainement, quand on aura besoin de chaussures, parce que je vais pas acheter des chaussures spécialement pour les customiser si on les porte pas après, hein, je vais faire au fur et à mesure, sachant que la prochaine paire, Juliette m'a demandé des Harry Potter. Donc du coup je ferai des Harry Potter, hein, et pour moi bah, je verrai quand j'aurai besoin de m'acheter des chaussures, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Bah oui, parce que moi j'ai pas les pieds qui grandissent, donc du coup je change pas de chaussures aussi souvent qu'elles, hein. Voilà, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.